Bon. Voilà, l'arbitre fait bien vérifier que tous les joueurs étaient prêts, qu'il y avait le bon nombre. C'est le Real Madrid qui engage. Benzema attaqué par son adversaire. Les joueurs savent qu'il ne leur manque plus qu'un point pour assurer la montée. Autant les prendre tout de suite. Lampard qui essaye de reprendre ce ballon en taclant. Ah, c'est une touche trouvée dans les 30 derniers mètres pour le Real Madrid. Xabi Alonso. Il va arriver à la volée peut-être. Et but de Karim Benzema. C'est beau, Franck, qu'est-ce qu'il faut pour marquer sur une emprise de volée? Un peu de réussite? Il en faut, oui, un petit peu, mais il faut surtout prendre la décision très tôt. Garder l'œil fixé sur le ballon, être bien équilibré et bien traverser le ballon au moment de la frappe. Finalement, c'est assez simple, hein, comme vous dites. Ah ouais, centre magnifique. Les défenseurs sont battus. Benzema. Non, ce ne sera pas ce coup-ci à qu'il se fera déborder. C'est un disque. Oh, bien vu le centre. Et la défense pas mécontente de récupérer ce ballon. Et la défense qui est sur le qui-vive, attention. L'action est stoppée. Là, ce sera son problème pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Monsieur. C'est une touche pour Chelsea. Avec Frank Lampard. Bon, attention, il a été livré hein, sur ce tacle. Xabi Alonso, pressé par son adversaire. Oui, la bonne passe. Et s'interpose. Et Bill. Il espère avec quoi, là, en tirant. T'as marqué, j'espère. Et la voilà, la frappe. Ah, c'est contré, bien défendu. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ah, le tacle. Ah oh, oui, bien joué. Oh, c'est dedans, ils égalisent. On voit bien tout le travail collectif hein, qui a mené ce but. Mais c'est vrai, c'est très bien amené tout ça, bien pensé. Ça doit être travaillé à l'entraînement, je pense. Ah, mais partout, tout est à refaire. Ce sera donc une sortie de but. Oh, il repousse. Ah, il ne peut plus que marquer. Et ça fait but. Ah, ils sont euphoriques en ce moment avec ces deux buts au surcoup. Ah, c'est un but de fou, il y a des joueurs qui traînent dans les surfaces de réparation. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Bossingois. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce joueur, Franck. Typiquement le genre de joueur qui va de l'avant. Pour ce qui est du replacement défensif, on a vu mieux, Hervé. Ballon récupéré par Chelsea. Tout droit dans les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Pour Lampard. Mata. Oh, il est passé. Et regardez comme le ballon lui colle au pied. On le voit bien là, le centre. Un long ballon, loin devant. Et c'est une touche pour Chelsea. Ah, je mets mon nom. Oh, la preuve. Oh, le but, oui. Oh, les défenseurs, ils ont intérêt à pas le lâcher aujourd'hui. Deux buts déjà pour lui. Et ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Une femme de Maria. C'est bien. Un bon pressing du défenseur. Lampard maintenant. Oh Dieu. Bon, je passe. Top. Et but pour Chelsea. Et
Et c'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin des filets aujourd'hui. Oh, quel contre! C'est tout le rouleau compresseur là qui s'est mis en route et les défenseurs ont été complètement submergés. Ça va être bien. Moi aussi, je peux voir. Touche pour Chelsea. Stowage. Angel Di Maria. Ah, lui, quand il part balle au pied, je peux vous dire que c'est dur de l'arrêter. Et moi? Ouais, il est bien placé. Oh, la belle frappe! Ah oui, magnifique arrêt de gardien de but. Le corner à suivre. Ouais, c'est boxé par le gardien. Oh, ça va rentrer. Oh, le but, mais ils sont encore loin au tableau d'affichage. Quelle pureté dans cette frappe, Franck. Ah ouais, le ballon part en, oh ouais, le ballon part en pleine lucarne, là. Une frappe pure, limpide. Et le score qui est maintenant de 4 buts à 2. Décidément, on a des buts. Je suis toujours demandé qu'est-ce que ça faisait pour brûler. Oh, qu'elle est bien partie. Ça va être le but. En jeu, en jeu. Avec Didier Drogba. Ah, la belle conduite de balle et la défense qui est aux abois. Oui, bonne anticipation sur ce coup, la défense qui veille. Ouais, c'est repris par Cole. Raúl Meireles. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Et le bon placement du gardien. David Luiz. Il a pris une caisse d'armes. Bossing Wa. C'est la place qu'on prend. Bonne interception. Ouais. La passe de Cristiano Ronaldo interceptée. Ah oh, oui, la passe bien, là on approche des buts. Oh, que ça circule bien, c'est beau. Bon, ça circulait bien, mais c'est terminé, là. Oh, le contre terrible. Ouais, je le tire. Et but pour Chelsea. Le but de Chelsea qui vient sûrement sceller le sort de ce match. Oui, alors là, je ne vois pas comment ce match pouvait leur échapper. Et ce contre qui aura été fatal, hein, finalement, les défenseurs ont été complètement pris de court. Bon, c'est moi. Il voulait prendre. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps. 7 buts dans ce match en 45 minutes. C'est assez exceptionnel. 5 à 2 au tableau d'affichage. Le coup d'envoi de la seconde période dans un instant. Les joueurs de Chelsea qui mènent. Ouais. Ah, il va aller mieux sauter hein, sur ce tacle. Oh. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Et intervention décisive du défenseur. Oh oui. Ouais, Bossing Wa est présent avec cette interception. Allez, sbire. Marcelo. Ah non, il y a encore l'échappée. Oh, c'est mal défendu, ça. Ah, le centre. Et l'attaque qui est stoppée. Xavi Alonso pour récupérer ce ballon. Avec Franck Lampard. Et Meringue qui reprend possession du ballon. Alors, Alessandro Locotina, va-t-il mettre la main à la poche? Avertissement sans frais, finalement. Oui, mais si vous voulez mon avis, l'arbitre a dû être très clair avec lui. Oh, comme elle vient! Ah, c'est dommage, un but les aurait peut-être relancés. Ouais, pour Drogba. C'est finalement récupéré par le Real.
Ballon contré. Oh oui, il lui a repris le ballon au tout dernier moment. Peut-être le but. Il s'est récupéré par le gardien. Allez, corner maintenant. Attention, ce ballon qui traîne. Ah, c'est intercepté par Bossignois. Et c'est une touche pour Chelsea. Raúl Meireles. Bossignois. Même si les effets sur les coins, il n'y avait pas marqué sur l'esprit. Oh, le ballon qui est contré par la défense. Avec Cristiano Ronaldo. Ça, c'est de la SMG, lui, là, tu vois. Ouais. Côté, il centre. Et les voilà qui ajoutent un nouveau but à leur total. Qu'il ait pu glisser ce ballon dans un angle aussi fermé. Ah, c'est vraiment formidable de faire ce qu'il a fait, Hervé, marqué de là où il était. On assiste à un match clairement à sens unique. Sergio Ramos. Di Maria. Ballon récupéré par Chelsea. Bossignois. Raúl Meireles. Storage. Et face à face, remporté finalement. Et ça fait but, un de plus. Et c'est son deuxième but personnel, il va peut-être pas s'arrêter là. Et c'est une petite faute de main.